J'ai déposé plainte contre X quand j'ai découvert avec stupéfaction que j'étais titulaire de 2 comptes dans une banque dont j'ignorais même le nom. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy. C'est un western. Chacun est là, attend un peu, il fait chaud, il y a de la poussière, les fronts sont en sueur. Et qui va le premier dégainer? Les déclarations sous serment d'un général de l'armée française et les dénégations ou les mensonges d'un prévenu, eh bien, un prévenu comme les autres, comme je l'ai dit, je préfère les dépositions sous serment du général Rondeau. Je pense pas qu'un avocat, fût-il celui du président de la République, et des leçons de nonne de morale à donner à qui que ce soit. Là, c'est un règlement de compte, hein. Voilà. C'est clair. Oui. Hein. C'est un règlement de compte. Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Vous dites que Gergerin a dit que Villepin avait dit qu'il fallait balancer Sarkozy. Là où je maintiens mes propos, Rondeau, je les ai entendus, Gergerin, je dément. J'ai jamais dit qu'il fallait balancer Sarkozy, j'ai jamais dit que Villepin m'avait demandé de balancer Sarkozy. Voilà, c'est le bal des menteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il a peur de Nicolas Sarkozy, il veut pas finir sur les crocs de boucher, donc il dit, bon ben voilà, j'ai pas envie, donc c'est Laoud. Mais je vous assure que dans ce dossier, ceux qui ont dit la vérité se comptent sur, même pas les doigts d'une main, sur un doigt peut-être. Faut arriver à croire à cette histoire quand même. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de menteurs. Il ne faut pas prendre en compte les déclarations de M. Gergerin. Le général Rondeau est un faux témoin. Laoud n'existe pas. On se demande toujours qui manipule qui. C'est l'une des plus belles pièces que j'ai jamais vues. C'est du théâtre. C'est du théâtre.